Bonjour et bienvenue. On va commencer la lecture du texte Le Taxi Brousse. L'objectif, c'est lire un texte narratif pour et prélever des informations pour formuler des réponses à des questions. Tout d'abord, prenez votre livret d'activité, page 101, et observez cette image. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Regardez, c'est un transport, d'accord? Un moyen de transport, d'accord? Elle est de quelle couleur? Elle est de la couleur jaune. Très bien, donc, dans le monde entier, tous les transports en couleur jaune s'appellent des taxis, d'accord? On peut dire que c'est un minibus, on peut l'appeler un taxi, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit un garçon accroché au taxi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'appeler les passagers pour monter sur le taxi. D'accord? Regardez sur le porte-bagages, on voit qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de bagages. D'accord? On dit le porte-bagages est plein de bagages. Ici, vous avez les gens. Alors, je veux que vous observiez bien les vêtements de ces gens et regardez la peau des gens. Ils ont tous la peau noire. Donc, on imagine bien qu'ils sont des Africains. C'est une hypothèse, d'accord? Aussi, les vêtements montrent que ce sont des Africains. Pourquoi les vêtements multicolores, bien colorés, avec beaucoup de motifs, des fleurs? D'accord, ce sont des vêtements des Africains. Bravo. Maintenant, je veux que vous effectuiez une lecture silencieuse du texte. D'accord, il faut lire silencieusement. Après, vous passez à la lecture avec moi. D'accord? D'abord, il faut lire tout seul. Vous arrêtez la vidéo. Vous lisez le texte tout seul. Après, vous faites marcher à la vidéo et vous suivez avec moi la lecture. D'accord les enfants? Allez-y. Le taxi Brousse. Je m'appelle Sen et j'habite à Saint-Louis du Sénégal. Quand je ne vais pas à l'école, j'aime accompagner mon oncle Papa Diop dans son taxi Brousse. Je dis bonjour à tous les passagers qui montent. Ce que je préfère, c'est organiser les bagages sur le toit. Avec son sourire, Papa Diop parvenait toujours à remplir son taxi, même quand il n'y avait pas foule. De l'autre côté de la place, ça agaçait drôlement ses concurrents qui attendait le client. Un jour, une équipe de lutteurs est montée dans le taxi. Ils venaient de gagner un tournoi important et une grande fête les attendait à Kébémé. Avec Papa Diop, on a chanté et dansé au son des djembés jusque tard dans la nuit. Sur la route, l'aventure était au rendez-vous. En pleine saison des pluies, un bras du ciné en cru est sorti de son lit. Le pont menaçait de s'écrouler et la panique commençait à gagner les passagers. Alors, Papa Diop a aperçu les pêcheurs. « Au secours, aidez-nous » a-t-il crié. Les pêcheurs se sont approchés et on a embarqué sur leur grande pirogue sauvée. Ce que j'adorais par-dessus tout, c'était observer les Sénégalais, les grandes dames de Saint-Louis, se pomponner avant un gala de charité. Elles bavardaient et riaient dans le taxi. En comparant leurs robes et leurs bijoux, moi, je trouvais surtout qu'elles sentaient bon. Aujourd'hui, j'ai grandi. Papa Diop
a pris une retraite bien méritée et je suis devenu guide au musée automobile de Dakar. Il n'y a pas un jour sans que je rende visite à ma pièce de collection préférée, le taxi Bruce de Papa Diop. Alors ça, c'est une première lecture. Maintenant, on va relire encore une fois le texte. Cette fois, prenez un crayon à papier et soulignez les mots qui vous semblent difficiles. D'accord? Allez-y avec moi. Le taxi Bruce. Je m'appelle Sen et j'habite à Saint-Louis, du Sénégal. Alors, le narrateur, on est d'accord qu'il s'appelle Sen. Pourquoi? Parce que le texte commence par « je ». Donc, c'est le narrateur qui raconte. Il s'appelle Sen. Donc, le narrateur, celui qui raconte l'histoire, cette histoire, c'est Sen. Il s'appelle Sen. Il habite où? Il habite à Saint-Louis du Sénégal. Donc, on sait le personnage, on sait le lieu. Quand je ne vais pas à l'école, j'aime accompagner mon oncle Papa Diop dans son taxi Bruce. Donc là, on sait bien que le taxi appartient à Monsieur Diop. Il s'appelle Papa Diop, d'accord? Et c'est l'oncle de Sen. Papa Diop, c'est l'oncle de Sen. C'est un garçon qui raconte cette histoire. Donc, quand Sen ne va pas à l'école, il accompagne son oncle dans son taxi, d'accord? C'est une sorte de travail. Il travaille avec son oncle sur son taxi. Je dis bonjour à tous les passagers qui montent. Donc, on sait que Sen est bien poli. Il dit bonjour à tous les passagers, tous les voyageurs. Ce que je préfère, c'est organiser les bagages sur le toit. Voilà, on sait bien maintenant que Sen, qui travaille sur le taxi de son oncle, il accueille les passagers, il organise leurs bagages sur le toit avec son sourire. Voilà, maintenant il va parler de son oncle. Papa Diop parvenait toujours à remplir son taxi. Voilà, Papa Diop aussi, il est souriant, il accueille les gens avec un grand sourire. Et comme ça, il arrive à remplir son taxi. Son taxi est toujours plein de passagers. Même quand il n'y avait pas foule. Foule, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Donc, qu'est-ce que cela va faire? Qu'est-ce que cela va faire aux autres taxis? De l'autre côté de la place, c'est-à-dire la place où les taxis s'arrêtent. Ça agaçait drôlement ses concurrents. Agacé, c'est-à-dire énervé. Donc, les concurrents, ce sont les autres taxis qui travaillent sur la place. Voilà, ça, c'est le début du récit, d'accord? Maintenant, on va commencer le milieu du récit, comme on a vu auparavant. Donc, un jour, regardez, c'est le mot qui va changer l'événement de l'histoire. Un jour, une équipe de lutteurs est montée dans le taxi et ils venaient de gagner un tournoi important. Et une grande fête les attendait à Kébémé. Alors, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Une équipe de lutteurs. Les lutteurs se sont... des gens, des athlètes qui pratiquent un sport. Le sport, c'est la lutte, d'accord? Un sport, donc, ils ont organisé un tournoi, une compétition, avec Papa Diop. On a chanté et dansé au son des djembés. Au son des djembés, c'est une musique africaine, jusque tard dans la nuit. Voilà, donc ça, c'était passé au milieu de l'histoire. Sur la route, l'aventure était au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que ça va passer un jour aussi sur la route? En pleine saison des pluies, donc il pleuvait. Un bras du ciné en cru est sorti de son lit. Ciné, c'est un fleuve au Sénégal. D'accord? C'est un fleuve, c'est une rivière au Sénégal. En cru. En cru, c'est-à-dire... l'eau est sortie. Donc, le fleuve, le niveau de l'eau a dépassé la rivière. D'accord? Donc, comme une inondation. D'accord? C'est une inondation. Un bras du ciné en cru est sorti de son lit. Le pont menaçait de s'écrouler.
Donc le pont va tomber. Et la panique commençait à gagner les passagers. Alors les passagers, les voyageurs, paniquent. Panique, c'est-à-dire ils ont peur. Alors Papa Diop a aperçu les pêcheurs. Donc qui va sauver le taxi de Papa Diop? Ce sont les pêcheurs. Et qu'est-ce qu'il a fait Papa Diop? Il a appelé au secours, aidez-nous. Il crie Papa Diop aux pêcheurs, au secours, aidez-nous. Les pêcheurs se sont approchés et on a embarqué sur leur grande pirogue. Alors, ils se sont sauvés. Pirogue, c'est un bateau de pêcheurs. Donc, ils ont embarqué le taxi avec les voyageurs, le taxi de Papa Diop avec les voyageurs, sur leur pirogue. Ce que j'adorais par-dessus tout, alors, c'est qui parle ici? Toujours, c'est Sen. Ce que j'adorais par-dessus de tout, après tout, cela, qu'est-ce qu'il adore Sen dans cette histoire de taxi de Papa Diop? C'était observer les signarets. Les signarets, ce sont les jeunes dames, les jeunes sénégalaises, voilà. Signarets, les grandes dames de Saint-Louis se pomponnaient avant un gala de charité. Alors, qu'est-ce qu'ils font les dames avant un gala de charité? Ils se pomponnaient, c'est-à-dire, ils s'habillent, ils prennent soin d'elles, d'accord? Avant un gala de charité. Un gala, c'est une grande fête où, les gens célèbres, ils organisent une fête ou un spectacle dont les bénéfices de ce spectacle vont aux gens pauvres. Elles bavardaient et riaient dans le taxi. Voilà, les femmes qui prennent le taxi de Papa Diop, ils sont bien habillées parce qu'ils vont à la fête. Ils bavardaient, ils riaient, ils saignent, ils adorent ça. En comparant leurs robes et leurs bijoux. Alors, qu'est-ce qu'il fait Sen? Il regarde les robes, il regarde les bijoux parce que les Sénégalais, ils sont connus de bijoux, de beaucoup de couleurs. Ils portent des robes colorées, d'accord? Moi, je trouvais surtout qu'elles sentaient bon. Donc, Séné, il aime sentir l'odeur ou bien le parfum de ces jeunes dames. Aujourd'hui, donc alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est la fin du récit. D'accord. Il dit, aujourd'hui, j'ai grandi. Papa Diop a pris une retraite. Donc, retraite, c'est quelqu'un qui se retire de ses activités habituelles, c'est-à-dire il ne travaille plus. Donc, il est devenu vieux, il ne peut pas travailler, donc il prend la retraite. Bien mérité. Et je suis devenu guide au musée automobile de Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'il est devenu, Sen? Il est devenu guide au musée. Vous savez qu'est-ce que c'est le musée, d'accord? C'est là où on met les collections, n'importe. Ici, c'est le musée automobile. Donc, on collectionne les voitures. Il n'y a pas un jour sans que je rende visite à ma pièce de collection préférée. Alors, quelle est la pièce de collection préférée de Sen? C'est le taxi brousse de Papa Diop. Donc, qu'est-ce qu'il est devenu le taxi brousse de Papa Diop? Il est devenu une collection au musée automobile de Dakar. Voilà l'histoire de Christian Epagna, le taxi brousse de Papa Diop, édition Signos. Alors, maintenant, on va passer aux questions de compréhension. On va les lire ensemble maintenant pour mieux comprendre le texte. Et pour les réponses, elles seront demain, Inch'Allah, pour la correction des questions pendant la séance interactive. Maintenant, on va lire ensemble les questions. Qui est le narrateur? C'est facile, on vient de le dire. Où se passe cette histoire? Donc le lieu, vous savez tous, c'est où? Quel est le métier de Papa Diop? Alors, qu'est-ce qu'on a dit Papa Diop? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi s'occupe le narrateur dans le taxi de Papa Diop? Regardez l'image. Qu'est-ce qu'il fait, le narrateur, dans le taxi de Papa Diop? C'est très facile. Pourquoi les autres chauffeurs sont-ils agacés? On vient de le dire. Pourquoi les autres, ce sont des concurrents, les concurrents de Papa Diop? Pourquoi ils sont agacés? Pourquoi ils sont énervés? Regardez le taxi de Papa Diop. Il est plein de passagers.
Où les lutteurs vont-ils fêter leur victoire? Pour faire la fête. Coche ce qui est vrai, justifie ta réponse. Le ciné est un homme, le ciné est une fleuve, le ciné est un animal. Qu'est-ce qu'on a dit dans le texte? Un bras du ciné, en cru, est sorti de son lit. J'ai dit c'est une inondation. J'ai dit que l'eau est sortie du fleuve, du niveau du fleuve. Alors le ciné, ça ne sera pas un animal, ça ne sera pas un homme. Au retour de la fête à Kébémé, voilà Kébémé, c'est la ville où ils vont les lutteurs. Les passagers du taxi ont eu très peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à côté du fleuve? Pourquoi Papa Diop a-t-il appelé les pêcheurs? Elle a dit, Papa Diop, qu'est-ce qu'elle a dit dans le texte? Au secours, à l'aide. Donc, pourquoi? Pour l'aider, bien sûr. Quel métier exerce le narrateur aujourd'hui? Terminez la lecture du dernier paragraphe. Qui est devenu le taxi de Papa Diop? Alors, on a dit, le taxi de Papa Diop aujourd'hui, il est où? Il fait partie des collections, des voitures ou des automobiles? Où ça? À Dakar, mais où exactement? Alors, c'est à vous de répondre à toutes ces questions. Elles sont très faciles sur le cahier de maison, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On répond aux questions. Comment on répond? On enlève d'abord le mot interrogatif, on enlève le point d'interrogation, on inverse le sujet avec le verbe et on cherche la réponse dans le texte. Et lisez paragraphe par paragraphe. Très bien les enfants, et voici un vocabulaire pour mieux comprendre le texte. On a dit la foule, c'est les personnes rassemblées en un lieu. Agacé, c'est-à-dire énervé. Concurrents, ce sont qui concourent au même résultat. Les lutteurs, ce sont des athlètes qui pratiquent la lutte. Un cru, c'est une forte augmentation des eaux d'un fleuve. S'écrouler, c'est-à-dire détruire ou tomber. La panique, avoir une peur soudaine. Pirogue, c'est un type d'embarcation longue et étroite, comme un bateau. Signaret, ce sont les jeunes femmes noires et métisses. Pomponné, c'est-à-dire orné avec soin. Gala de charité, c'est un gala de bienfaisance. Ou bien un spectacle ou une fête payant dont le bénéfice est versé aux personnes en œuvre caritative. Donc, c'est une fête que les gens célèbres le font pour donner l'argent qu'ils ont collectionné pour les gens démunis, les gens pauvres ou bien une association, d'accord, pour aider les gens. Un retraité, c'est quelqu'un qui se retire de ses activités physiques habituelles pour se reposer. Voilà quelqu'un qui est vieux et ne travaille plus, qui veut aller se reposer parce qu'il est devenu vieux. D'accord? Voilà les enfants. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Soyez prêts. Au revoir et à bientôt.